comme un ninja. Dance, dance, dance. Il est parti comme un ninja. Eh bien, yo la team, c'est Dex, on est body pour une petite vidéo donc sur PS4, donc on va tester le nouveau micro sur PS4. Donc c'est la première vidéo aussi, donc on va faire une petite customisation d'une voiture de Fast and Furious. Donc on va aller dans l'arène, parce que je vais pas m'embêter d'aller dans un Les Custom. Donc on va custom la voiture, on va voir un peu ce qu'elle a dans le gigot d'agneau. Du coup je suis solo parce qu'Anthony il n'est pas là. Il y en a, je ne sais pas où ceux qui sont. Emilien, je sais pas. Voilà. Ouais, donc putain, désolé pour le petit moment. Alors, donc on va commencer avec le blindage. On va la blinder à fond comme d'habitude. Frein, on va mettre les freins de course. Pare-choc avant. Donc on a quoi comme pare-choc avant? Ouais. Pas très... celui-là. Non, celui-là. Pare-choc arrière. Il n'y a pas grand chose qui change. Hein. On va mettre celui de série qui est très bien. Pour moi, je trouve, franchement. Moteur, mais niveau 4. Échappement. Voilà, on va équiper de deux échappements ronds. On va voir ce qu'il y a. 4 échappements, c'est encore mieux. Mais après, j'ai quitté l'atelier comme un zombie. Je me suis trompé de bouton. Fauteuil avant. Parce que chaise, non, ça se dit pas. Ouais. Ouais, direct. Direct celui-là. Allez hop. Capot. Directement lui. Ouais. Quoi qu'attends. On va mettre lui. Hein. Ouais, lui plutôt. Klaxon, on s'en fout. Éclairage fort. Phare xénon. Support néon avant et arrière. Couleur néon, on va les mettre en vermante. C'est super. Motif alors. Ouais. Ouais. Non, ils sont pas. Bon, mais je suis de Fast and Furious, hein, voilà. Ah, quoi, qu'est-ce que celui-là? Non, on va faire Fast and Furious. On va rester sur Fast and Furious rétro. Carbone direct. Carbone, pardon, parce que j'ai mis les couleurs plaques. Jaune et noir, logique. Peinture. Couleur principale métallisée. Un jaune pâle comme ça, ça fait bien le vert, plus ou moins un vert. Classique, métallisé, même vert, du coup, jaune pâle, couleur finition, donc c'est l'intérieur, ah, c'est les contours des, ok, orange vif comme ça, emblème de crew. Logique. Toit. On va mettre ce toit là. Non, pas la vente. Bas de caisse. On va voir ce qu'il propose en bas de caisse.
Il n'y a rien qui change à part les couleurs en fait. Alors, on va partir sur celui-là, allez. Séparateur. On va partir sur lui. Aileron. Directement lui. Allez, aileron atomique. Par soleil. On va mettre lui. Hein. Le atomique. Suspension à rabaisser au max. Transmission de course. Turbo belt tuning. Roue. Type de roue de rue. On va voir ce que ça peut donner. À direct celle-là, voilà. Finalement, on va la laisser de série, c'est pas mal. Ah, tiens, les roues, pardon. Donc ça, on l'a changé de couleur des jantes. Jaune Racing. Après, je fais pas vraiment celle de Fast and Furious, ça a pur et dur. Hein. Perso, je m'en fiche. Une voiture, c'est une voiture. Hein. Mais on a les bases de... Quand même des bases, on va dire. Verte. Vitre. Limousine. Quitter la... Donc maintenant on va passer à la phase test de la voiture. Donc... Ce qui est de la vitesse. Bon, ça va. Les freinages, nickel. Adhérence. Est-ce qu'elle adhère bien la route? Bon, ça va, les contrôles là. Maintenant, on va essayer de faire un drift. Ouais, nickel. Un 3-6. Maintenant, on va faire un 3-6. Merde, j'aurais pu aller faire. Il y avait le mur. Bon, c'est pas grave. Au niveau de la vie intérieure, voilà ce qu'on voit. Ouais, franchement, ça va. Voilà un peu la vue de la bête. Bon, les amis, c'est tout pour cette vidéo. Moi, je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao. Oh. 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 Oh.